Chaque année, l'élection de Miss France est un moment très attendu et suivi par de nombreux téléspectateurs. Pourtant, le concours de beauté a été critiqué lors des dernières éditions à cause de ses critères de sélection jugés trop stricts. Depuis, certaines règles ont ainsi évolué et il est désormais possible d'être marié, pacsé ou même d'avoir des enfants. Le concours a également été ouvert aux candidates transgenres et aux femmes de plus de 25 ans. Invitée le lundi 2 octobre sur le plateau de PAF, Élodie Gossuin est revenue sur l'une des nouvelles règles. La Miss France 2001, désormais mère de deux paires de jumeaux, a donné son avis sur le sujet des enfants. Je trouve ça bien que ça soit ouvert totalement et qu'on puisse se reconnaître dans le concours de Miss France et vivre ce rêve si on en a envie, a-t-elle expliqué à Pascal de la Tour du Pin. Élodie Gossuin très réaliste sur la nouvelle règle de Miss France. Si Élodie Gossuin s'est montrée très ouverte sur les nouvelles règles de Miss France, elle a également souhaité rester réaliste. Concernant la possibilité de s'inscrire au concours en étant mère de famille, la femme de 42 ans a indiqué, de façon très pragmatique, avec un enfant en bas âge, je ne vois pas comment. Si est-il difficilement conciliable. En effet, en ayant elle-même vécu l'expérience de Miss France et étant désormais la maman de Jules, Rose, Léonard et Joséphine, la reine de beauté s'est montrée dubitative. Je n'y crois pas, pour savoir concrètement ce que ça représente une année de Miss France, a-t-elle expliqué avant de préciser, mais pourquoi pas, ça se trouve, il y en aura une qui montrera le chemin aussi, avec un bout de chou qui la suivra partout, ce sera possible. De quoi montrer qu'elle approuve l'évolution des critères de sélection même si certaines situations lui semblent difficilement réalisables.